C'est pas alcoolique, si, parce que chaque personne a un organisme qui est différent. Il y a des gens que l'alcool se passe vite dans leur sang, et il y a des gens qu'ils peuvent prendre beaucoup et ça ne leur font rien. Donc, avant qu'il ne gâte sa santé lui-même, il faut que ça. C'est son support maintenant, c'est sa femme. C'est difficile pour elle, mais elle doit vraiment le supporter et le mettre dans un bon chemin parce que 8 ans, le monsieur, il a perdu Ses je pense, parents, son parent qu'il a perdu. son papa. C'est un truc difficile qu'il a traversé. C'est des moments difficiles qu'il a traversés, qu'il a mis dans ce problème d'alcool-là. Alors, c'est maintenant lui, c'est elle son support, c'est elle qui doit vraiment tenir le coup à cause de l'enfant pour pouvoir montrer à ce monsieur un bon chemin. Donc, moi, je pense que c'est mieux que ne lui dis pas que 5 alcools, ce n'est pas beaucoup. Oui, mais en Ça même temps, j'ai dépend pas envie toujours aussi des de lui. gens, parce qu'il y a des gens. Même avec un bouteille de bière, ils peuvent avoir des problèmes de santé. Ouais. Et il y Non, en a fait, d'autres, si moi ils je lui peuvent ai dit ça, prendre c'est parce beaucoup qu'il faut et savoir aussi ça ne parler aux leur gens, tu fait rien. Ça vois. dépend Je du peux pas foie. directement lui Le dire oui, il est foie, alcoolique, c'est pas poli. Je peux comment pas est... faire ça aussi. Tu comprends? Je peux pas directement lui dire ouais, c'est un alcoolique, nanani, nanana. Tu vois ce que c'est quand même quelqu'un qui appelle pour son problème. Et moi, en tant qu'une Africaine, en tant qu'une Camerounaise, parce qu'au Cameroun, il y a beaucoup l'alcool, il y a beaucoup la bière. Les Camerounais, c'est les premiers buveurs de bière. Oui, Du mais ce coup, n'est pas. Non, je ne fais pas le critique. Moi, malheureusement. je donne Ton point de vue, oui, bien sûr, je comprends, point ouais. de vue pour la femme, pour lui montrer le chemin qu'elle doit Le prendre. bâche, il est Parce derrière que la porte. ce n'est Donne-la, on pas envoie le code par un message. Elle problème va qui se est lire. facile. C'est un problème qui est très, très difficile quand on est alcoolique ou bien on prend la drogue. Oui, On est dans exactement. le Oui, non, zouk. On non, appelle on ça envoie ici par que le message sur zouk. ton Ça veut dire message. c'est Le difficile code, de je vais faire le sortir code, qu'elle seul fasse le code. de ça. Donc, il faut beaucoup Code. de soutien, même dans les maisons des Désintoxication. intoxications, je sais pas. C'est très dur pour ces gens, même d'être clean. Parce que souvent, même quand ils ont déjà fait ce traitement et ils sortent de la clinique, quand ils goûtent encore un tout petit peu la bière, ça, ils retombent dans l'ancien modèle de Derrière le code. l'alcoolique. Ça, C'est c'est pour important. ça, Code elle est doit derrière le être code. très forte, elle doit avoir de la patience pour elle, pour son enfant, et vraiment supporter. Parce que le mari, il n'est pas violent, c'est difficile pour elle, mais il faut qu'elle utilise un Il faut autre savoir aussi qu'il charme a bien dit qu'il pour buvait depuis la pouvoir. mort de ses parents. Ça serait difficile de changer comme ça. Elle aimait le mec, sachant qu'il buvait Oui, déjà. je sais C'est ça. ça. Elle a dit qu'elle a aimé quand il était déjà comme ça. Et le problème, c'est que le monsieur, il a perdu ses parents. C'est pour ça qu'il est devenu comme alcoolique. Donc, maintenant, c'est à elle de trouver un charme pour voir comment aider ce monsieur à avoir des professionnels pour qu'on l'aide à sortir de ce trou d'alcoolisme que lui, il a. Donc, nous, on ne peut pas l'aider. Ce sont des gens spécialisés Tu peux dire. Tu lui dis dans l'étage, ce hein? domaine qui peuvent aider Tu ce peux faire monsieur, l'étage? mais il faut que sa femme l'encourage Non, ouvre ici à moralement et l'interphone, qu'elle de trouve gauche. une technique comment Appuie sur la faire pour clé. que le Tu la vois, monsieur non? soit pense Appuie que bien, oui, tu as c'est appuyé mieux, vite il fait. va Appuie sur la porte. essayer. Sous. Écoute à l'oreille, Ah. ça va te dire la porte est ouverte. Ouais. Vous avez ouvert la porte. C'est Dernier bouton, sous la tout ce clé. que moi je peux dire Tu peux dire à la femme. Parce que nous, on travaille à la clinique, on a beaucoup de gens qui sont alcooliques ou bien des gens La qui prennent porte. la drogue, qui se piquent les cocaïnes dans les vins. Et c'est un truc qui est difficile parce qu'ils ne savent plus s'articuler. Ils parlent
On pense que deux bouteilles, ce n'est pas beaucoup, mais ils sont déjà saouls parce que leur rein ne travaille plus bien. Il y a le pancréas qui est déjà agressé. Et quand le pancréas est agressé, le rein est agressé. Et puis l'insuline ne donne plus très bien. Et puis le sang, il circule, ça devient comme si tu avais pris l'aspirine. L'aspirine qui rend le sang un peu plus, pas, ça ne Hein? coagule pas le sang, Elle a ça fait le sonné, non, sang un elle peu a pris liquide. Et l'ascenseur. c'est dangereux pour le rein parce que cet alcool ne peut pas être sortir, parce que l'alcool, on le sort par le rein. Il y a certains médicaments aussi qu'on le sort par le rein, et il y a certains médicaments qui vont j'ai oublié le nom en français. Mais je trouve que ce monsieur, le temps qu'il a pris cet alcool, pendant des années, il a des problèmes de rein, c'est pour ça qu'il est rapidement saoulé, c'est ça. Donc il faut à tout prix qu'elle fait très attention parce que s'il continue comme ça avec le temps, il va faire de la dialyse parce que son sang ne peut plus Elle est être seule. nettoyé. C'est ça, Maman. c'est dangereux. Hey. Oh. J'ai dit que c'est le sexy que vous voulez voir. Fais-moi la bise. Fais-moi, oui, on va pas te voir. Allô? Oui. Oh, ok, c'est ce que moi je voulais donner au Mon conseil arrivée. à la femme. Il faut Installe-toi, ça qu'elle va depuis quand essaye t'attends? de tout Ton faire shampoing, il est à oublier sa congeler, famille, hein? son enfant, son mari, c'est tout. Mais pas je te donne deux bières aujourd'hui, je te donne Maman. deux bières demain, ça c'est faux, ce n'est pas juste. Il Il y a la faut robe aussi. vraiment Et beaucoup de puis, t'as même travail dedans. yoga. Il faut des Aiguille, professionnels elle est qui sexy, doivent hein? le sortir de ce problème-là. Tu es Bon, très c'est tout ce sexy. que j'ai. Pardon, n'appelle même pas son C'est nom. Même pas qu'on entende vos noms. Maman, tu es Donc, sexy. Merci beaucoup. c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, ma Et grande. surtout, bonne fête de mère. Et gros bisous Tu vas te à refaire les Choupi seins. et à toute la team depuis l'Allemagne. Bye bye. Merci. Je vous fais gros Merci. bisous. Gros Et les bisous. femmes qui sont aussi maman. Bye Merci. Bisous. Bisous à tout le monde. Maman, j'ai dit, tu as porté le soutien. Ça se voit que tu n'as pas de soutien-gorge. Hein? La brésilienne. C'est pas le tchaboum. J'ai dit que tu fais couignac, couignac, tu viens la nuit. La télé, comment la télé va s'éteindre? Tu as toujours Voilà. arrêté, maintenant c'est la brésilienne. Maman, c'est la brésilienne, la transe. Donne-moi sa transe. Maman, j'ai une copine là, c'est une transe, un homme qui est arrivé. Merci ma copine, merci mon copain. Ça a cuit. Depuis qu'on t'attend, maman? Les filles de la nuit. Maman, Sarah. Oui, appelez. Hein. Moi, je suis dans mon. Il y a le lait depuis que je t'attends pour manger. Nous, on a mangé. Hein. Lydie, nous t'oublions pas. Maman, le Cameroun. Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir. Pourquoi le volume est comme ça? J'entends pas bien. Bonsoir, ma faux. Bonsoir. La main faut des 6 plus 1 continent. Ouais, ça fait 7 continents, maman. Comment tu vas, ma faux, maman? Je vais très bien. Très bien. Non, c'est juste. J'entends plus bien. Laisse-le prendre d'abord l'apéro. Donne-lui le champagne et bois, pardon. Bois d'abord le champagne, pardon. Sers-lui d'abord le champagne. Elle va manger après. Imporo, c'est bien Jojon. C'est bien Jojon. Non, mais. En tout cas. Pardon, coupe d'abord, fais le dia. Déjà, papa.
C'est le champagne à ta soeur. Il y a le truc là-bas. On a appelé, puis on laisse. Oh. Champagne qui est en haut, là, maman. Maman, la castelle, là, je coupe ça. C'est glacé jusqu'à la musique, là. 5 billets, puis oh, je bois ça entre les mains de quelqu'un. C'est le champagne pour ta soeur. Il y a le truc là-bas. Non, je mets ceci au frais. Tu me donnes la musique. Je vais changer de goût, maman. La bière des blancs, là, c'est la pisse. Et maintenant, on boit que... Tu sais, le champagne, ta soeur. D'ailleurs, elle a bu le champagne ici. Elle tournait un coup sur là qui n'avait pas de nom. Maman, elle boit et puis c'est pas dormi. J'ai qui? Maman, le gars, j'ai... Je vais faire comment? Je vais faire comment, maman? J'ai le gars. J'ai qui? Hein? Le seau est là-bas dans le... Regarde le seau à champagne là-bas. Tu vois juste à lui? Ou bien, mettez ça ici. Tu es dans le truc. Merci. Le jus là même qui traîne là. Depuis aujourd'hui qu'on t'attend. Appelez, hein. Moi, je fais mon direct. Je ne gère pas les copines noctambules. Les filles qui marchent la nuit. Je ne marche pas la nuit. Les transsexuels. Je gère pas les trans. Maman, je ne gère pas les travaux, hein. Les copines trans là. Je ne gère pas ça. Parlez alors. Voilà le direct, non. Appelez, non. Maman, donc, je ne vais pas recevoir, dire que c'est un manque de respect. Franchement, appelez. Nous sommes au divin, non? Les copines, oh, maman. Après, on continue. Il y a le truc aujourd'hui, hein? Il y a le machin là. C'est qu'on appelle ou c'est quoi là? L'ambassade. Appelez, non? C'est comment? Je fais 7 heures de direct aujourd'hui. Appelez. Bon, je mets la musique en attendant. Je ne coupe pas. Ma, faut le numéro, c'est 0033. Mais les gens, si vous ne voulez plus appeler, c'est comment, non? Oh. Appelez, j'ai envie que mes fans appellent, hein. Appelez, hein. Ouh, les filles, oh, les filles, oh. La joie, la joie. Gouvernement, la joie, la joie. La joie de ça, le gouvernement, la joie. Allô, allô, Mafo. Oui, allô. Bonsoir, ma chérie. Je voulais te souhaiter une très bonne fête de mère et te dire que tu es une inspiration pour moi. Merci, ma puce. Merci beaucoup. Maman, merci, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, thank you. Même si je ne t'ai jamais vu, à travers tes messages, à travers tes conseils, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Je ne bois pas le champagne, je bois ma bière, pardon. Fatiguée des champagnes. Oui, Meko, oui, pardon, oui. Je disais. Oui, ma chérie. Même si je ne t'ai jamais vu, à travers tes conseils, à travers tes messages, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Aujourd'hui, je suis heureuse grâce à toi. Merci, ma chérie. Merci pour tout. Merci. Encore bonne fête. Bisous. Merci beaucoup, merci. Alors, vous dites que le sujet, c'est quoi? Il n'y a pas de sujet, c'est le divers. On parle de tout. On parle de tout. Mandra dans la sauce. Que quoi? Vous buvez beaucoup. Maman, voilà la docteur qui vient d'appeler. Elle dit qu'on boit beaucoup. Maman, c'est le week-end. Je ne sors pas. Je bois, je reste et tourne comme ça. Après, pas me coucher, je dors. Tu vois, non, maman? Toi, la docteur, là. Elle est médecin. Hein? C'est pour ça qu'elle a, elle dit que non, l'alcool. Maman, oh, il y a les gars, les filles. Les filles, il y a les gars, oh, mes copines, il y a les gars. Oh. Allô? Ma PDG. C'est qui? Maman, ma reine-mère. Oui? C'est elle magre, fan depuis 2013. Elle magre. Depuis 1900, ouais. Attends, tu me salues mes copines. Salue mes copines là-bas. Pardon, salue mes copines. Salue mes fans. Depuis 2013. Coucou, l'équipe de ma PDG. Coucou, l'équipe de Nice. L'équipe qui gagne. L'équipe du grand neuf de Facebook. La Numa Uno. La neuf Numa Uno de Uno.
la seule des 6 continents. Waouh, maman, oui. La paix de la reine mère, les peuples de terre. Celle qui fabrique et défabrique, celle qui donne le ponchak-chak. C'est qui laisse le ponchak quand je... Donc, hein, c'est que quand tu essaies, elle te laisse le souvenir. Elle te met le trou. Elle te met le trou. Toujours sur la défense. Oui, c'est le trou que tu prends, oh, maman. C'est le trou. Tu avais les qui comme ça? Ouais. C'est elle-même, la reine mère. Tu n'as même pas appliqué la reine mère. Si tu fais dans le noir, tu vas m'enlever dans le noir, la PDG. C'est vrai, d'accord. Tu vends quoi alors? Ma grande sœur m'a dit que tu donnais mon acte de naissance parce qu'elle m'a apporté le profit à un moment là. Donc, je vais t'avoir mon acte de naissance, avant mon adresse. Elle est d'avoir mon acte de naissance comme ça là. Elle te fait carré de moins voir. Ouais. Dis-le que tu me donnes, je prends. Et tu as des regards le direct en même temps. En tout cas, je te remercie, non, d'appel, pour l'appel. Hein. Bonne soirée, ma PDG. Merci beaucoup. Bisous, bisous. On va mettre le trou. En attendant que vous appelez, on met le trou de Nyamgono. Le trou de vrouk vrouk. Le vrouk vrak. Le vrouk vrak. Vrouk vrak. On met le fou frak. De Nyamgono du sud. Fouk frak. Allô. Allô. Si vous avez des trucs à vous dire, vous partez. Allô? Dans la chambre. Il y a le canapé. Allô? Là-bas, vous posez là-bas tranquillement. Allô. Oui, allô. Allô. Oui. Bonsoir, la reine mère. Bonsoir. Tout d'abord, je vais te souhaiter une très très bonne fête des mères et te dire que je t'adore beaucoup. Je te suis depuis... je t'appelle de l'Allemagne. Oui. Je te suis depuis que j'ai commencé les études. Oui. Et aujourd'hui, j'ai fini mes études et je suis médecin. Waouh! Mes félicitations. Je voulais te dire merci, vraiment merci, parce que tu m'as beaucoup déstressée. Pendant tout mon séjour ici en Allemagne, j'ai contaminé mes soeurs, mes beaux-frères. Ils te suivent en cachette. Oui. Une fois, j'ai fait un direct de Pipitolo où elle disait que c'est juste les rientons qui te suivent. Moi, je vais te dire la reine, mais ici en Allemagne, je connais les chefs d'entreprise qui te suivent. Amen. Alléluia. Et je te souhaite également beaucoup de bonheur, que le Seigneur vraiment te bénisse et qu'il bénisse également Choupi. Merci. Et j'aime également surtout votre direct, c'est hier ou avant-hier comme ça. J'ai beaucoup aimé votre direct. Bon, en ce qui concerne la dame qui a appelé tout à l'heure là, j'aimerais dire, j'ai vu les commentaires de certaines personnes disant que il est alcoolique, quitte-le, il est sous là, les trucs patati patata. Bon, c'est un problème déjà qu'il faut prendre à la légère. Parce que nous les Africains, il y a certaines choses que nous négligeons. En allemand, on appelle cela, il y a plusieurs formes d'alcool. Et j'ai suivi que la dame a dit. Il a commencé à boire quand il a perdu sa mère et son frère. Donc, c'est déjà ça la cause de son alcoolisme. Il faudrait déjà qu'on traite cette cause-là. Parce que du jour au lendemain, je vous rassure, du jour au lendemain, il ne peut pas guérir si on ne traite pas cette cause-là. La cause, le fait qu'il ait le choc qu'il a eu.
Oui, c'est la perte de sa maman et de son Un choc frère qui l'ont fait émotionnel en sombrer dans fait. Il cet a eu un état-là. choc émotionnel. Ça l'a fait sombrer dans la. Et la dépression, c'est une chose qu'il ne faut pas négliger. Donc, il faudrait qu'il aille voir des psys et des groupes. Oui, des psys et des groupes de désintoxication, franchement. Wow. Si cette femme vraiment tient à cet homme, franchement, ne le laissez pas, ne le blâmez pas et tout, causez avec lui, essayez de le ramener à la raison, allez avec lui dans ses centres de désintoxication, madame. Ne prenez pas ce problème à la légère. Donc, je vais pas trop parler et je vous souhaite une très très bonne soirée. En allemand, non, en fait, non, l'étape te à laquelle servir. Il est en allemand, servir, on appelle ça Süßigertrink. Il y a le mion avec le riz et le couscous manioc que j'ai tourné, couscous frais. Donc, je vous souhaite une très très bonne soirée à tout le monde, à la reine, mais à la team et c'est que appel Dieu à témoin. Vous bénisse. Ne bon, m'amenez pas les noms des émissions des malchanceux. Des émissions que les gens pissent sur eux là. À cuisse ouverte. Eh, pardon, vous prononcez encore que les cuisses, vous mettez dehors. Vous jettez, mon frère. Vous sortez. Allô? Allô, ma belle sœur. Ma belle sœur chérie. Comment tu vas? Singa. Allô, cœur. Je vois que tu es vraiment en forme. Non, je suis en forme, en très bonne forme. Maman, tu as sorti une coiffure les jours, c'était la chicotte. Ouais, maman, je vais encore sortir l'autre bientôt, là. Ça, c'est que pour dans une semaine, quand je reviens sur Paris, parce que je pars de Paris demain, je reviens dans une semaine, je reçois encore l'autre. Et notre star, parce que comment on l'a pu te regarder, non? Maman, c'est toi qui nous fais vivre. Vous allez mettre le tarot sur moi avant de manger. Vous allez tremper le tarot sur moi à cause de Radia Mélanie avant de le mettre dans la bouche. C'est toi. C'est ta mère. Elles ont le choix. Non, c'est elle. C'est elle la femme. C'est ta mère. Tu veux les babouches? Tu veux les sandales? D'accord, je te donne les sandales. Maman, les femmes, si maintenant je suis pour te travailler sans ça, n'est pas. Ou parler à une maf, ouais. Moi, elle veut me lever et pas sur ses sandales. Mais franchement, maman, je vois là. Je dis que. Depuis, tu dis que depuis quand la maman faut travailler. Tu manges là-bas, tu manges pas à la salle à manger. Tu peux manger là, oui, bien sûr. Prends les sandales. Tu as mes talons de combien de centimètres? J'ai les chaussures, hein. J'ai beaucoup de chaussures là. Je voulais intervenir par rapport. J'ai suivi une dame là qui dit que son mari boit beaucoup. Je voulais donner ma part d'idée, quoi. Oui, maman. Comment elle peut aider son mari? Oui. Déjà, je veux dire. L'alcool, le monsieur n'est même pas un buveur, il noie ses soucis, comme on dit souvent, en langage camerounais. Il noie ses soucis. Et le problème en ce moment, c'est si quelqu'un peut l'aider à accepter le couscous manioc, le départ des membres de sa famille. Un peu de watafoufou, non? C'est-à-dire que il faudrait qu'il accepte la mort de ses proches. Parce que jusqu'à présent, il n'a pas encore fait le deuil. Parce que c'est pour lui une façon de rester en contact avec eux et de les pleurer tous les jours. Il faut quelqu'un qui va... Vous me dites qu'arrête le direct. C'est vous qui m'avez d'abord dit de lancer le direct. C'est quoi votre problème? Oh, ma... Allez dormir. Hey, je vois même les gens hier. Oh, arrête le direct déjà. Arrête. C'est vous, c'est votre énergie. C'est quoi? Dis que nous... Hey, pardon. Fatigués, donc, mais vous êtes fatigués, non? Allez vous occuper de vos maris. Vous avez regret. Pendant que vous partez dans d'autres pays, c'est le jour qui vient de se lever. Pardon. Respectez les fuseaux horaires. Que la Terre tourne sur elle-même en 365 jours. La Terre tourne sur elle-même. Aux États-Unis, c'est le matin. Hein? Donc, partez dormir. Ceux qui sont en Europe, là, allez vous occuper de vos maris. D'accord? Il y a les gens qui sont en train d'arriver. Donc, ce n'est pas un problème. Quand je serai fatigué, je vais partir dormir. Vous voulez que cause quoi avec mes amis, là? Elle les voit tous les jours. Elle cause les choses qu'elle cause. Anciens... Et qui était là depuis là, ils peuvent partir maintenant se reposer. Les nouveaux gens, nouveaux j'arrive, ils vont suivre le direct. On va continuer. Mes copines vous ont fait quoi? Il y a des gens qui vont dormir avec toi, passer toute la nuit avec toi, la journée avec toi. Ça ne dérange pas. Je te dis,
Elles sont là-bas dormir, mais causer quoi avec mes copines. Maman, elle parle avec les trans. Elle parle avec les travelots, maman. Mets-lui bien le poisson fumé. Vous, les filles, les femmes des blancs, là, vous faites toujours que vous ne mangez pas beaucoup. Mets-lui la nourriture. Je les connais. Mets-lui la nourriture, mets le poisson fumé. Elle va nous dire qu'elle. Tu le mets bien. Les femmes des blancs, vous connaissez. Vous dites, je ne mange pas. Vous allez manger ça bien. Je vous connais. Mets-lui deux boules de couscous. Voilà. Ouais. Comme je disais, vous êtes en tout l'espoir. Oui, ma soeur, ma belle soeur d'amour. Il faudrait que ce monsieur accepte la mort de son frère et de sa mère. Les glaçons. Pour boire le champagne. Voilà. Maman, tu es devenu un virus, Lydia. Tu mets le champagne, la femme de. Tu mets le champagne dans les glaçons. Maman, les glaçons dans le champagne. Oh, malo. Parce que Virée n'a pas l'habitude de boire le champagne comme ça. Elle boit que le whisky. Maman, le glaçon en bas. Lave les glaçons là d'abord, ti. Oh, les femmes des blancs, oh. De deuxième tiroir. Vous êtes là, elle boit tout. Elle lave les boissons là-bas. Oui, c'est tout ça, c'est les glaçons. C'est les nouveaux glaçons qui sont sortis. Tu utilises, après tu laves, tu remets au congélateur. C'est comme ça que ça se passe. Dès que ça dégive, tu prends les eaux. Oui, tu connais les glaçons là, non? Ma belle soeur d'amour. Oui, ma belle soeur chérie. Je t'aime jusqu'à. Tu dis à mon frère que le salut et qu'il continue à bien te faire briller comme ça. Mais bien, c'est ma belle soeur, tu ne peux pas savoir. Je t'aime jusqu'à. Jusqu'à la gare. Voilà. Merci, ma belle soeur d'amour. Merci beaucoup, okay. Ma belle soeur. Love you. Good night. Good night. Laissez parler la dame Mafo. Appelez si vous voulez appeler. Je gère mes copines en même temps, non? Mange encore, non, ma soeur? Mange encore, non? C'est à toi. C'est qui? Viens, c'est bien. Oh. Appelez, non? C'est comment? Je ne parle pas, je suis là. Il est quelle heure? Oui, allô? Allô? Appelez, non, c'est comment? Je ne parle pas. Allô? Il va vers la fenêtre, parce que le réseau ici, là. Là, il en fait. Maman, quand tu appelles, que tu es à côté de ton... Pardon, quand vous appelez, je ne veux pas trop de bruit. Le gars s'appelle encore. Hey! Le planteur appelle encore, il est amoureux. Le planteur appelle encore. Ah, oui, le planteur. Oui, il est là. Il y a le conteneur des filles ici, hein. Conteneur des femmes, hein. Non. En tout cas, je ne coupe pas. Moi, je ne suis pas une juceuse. La femme, moi, je ne suis pas de la classe de ceux qui voient la femme, ils pensent au lit direct. Donc, c'est pas moi, je ne suis pas de cette classe-là. Mm-hmm, le planteur. Donc, pour laquelle moi, le célibat ne me dérange pas. Oui, le planteur. Après, je voulais poser une question à mes récits. Mm-hmm. S'il y a quelques-unes qui peuvent me répondre souvent leur projet. Quand une récée est toujours là, que, ou elle accepte qu'on pèse son derrière là, le projet de ça c'est quoi en fait? De taper de derrière, les récées qui tapent le derrière là, le projet de ça c'est quoi en fait? Est-ce qu'il peut vraiment nous impossible? Les récées qui tapent le derrière comment? Je n'ai pas bien compris. Mais mon frère, tu vois, j'ai jamais vu un gars, il te dit que non, il faut la prendre, il faut la tomber par derrière, par l'anus, mon frère, par l'issue de secours. C'est comment on sort seulement là-bas, on n'entre pas. Et mon tu frère, vois là seulement, oui. Tu sais que si on parle les choses comme ça, on va, les gens vont signaler. Hein. Oui, mais encore une fois, c'est les tapeurs de derrière là, qui nous disent non. On sait que c'est le monde là, c'est eux, non. Mais parce que vous aimez que ça, non. Donc c'est vous les hommes, vous aimez maintenant qu'on vous tape le derrière, c'est ça que tu veux me dire? Nous les hommes là, c'est... Non, attends, j'ai pas bien compris. Tu dis que quand vous êtes dans la chambre avec les femmes, vous demandez aux femmes de taper votre derrière. Tu dis que la chambre, tu dis que tu coupes pas derrière, c'est quoi le projet? Mais si tu n'aimes pas, tu lui dis que tu n'aimes pas. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment ça aussi. Hein. Mais c'est ça, je veux comprendre. Non. Mon problème, je sais qu'il y a beaucoup qui aiment, mais je veux comprendre ce que ça mon fait. Mon frère, c'est pas quelque chose qui est explicable. À chacun ses fantasmes, mon frère. Un peu, non, le planteur, non, à chacun c'est taper le derrière, à chacun ses fantasmes.
Tu vas pas dire que pourquoi il y a les filles qui aiment quand on les chope l'antote. Tu vas pas me dire que pourquoi il y a les filles qu'on les gifle. Toi-même, quand tu joues, tu dis quoi? Tu ne dis pas qu'on te gifle. Tu ne dis pas qu'on te tire les oreilles. Tu ne dis pas souffle-moi dans la bouche. Appuie-moi fort. En tout cas, quand tu dors, même tu ne dis que toi-même, quand tu joues, tu ne dis pas que. Appuie fort sur mon cou. Tire-moi ça. Tape sur mes boules. Comment tu peux dire que. Si on appuie sur le cou, il va dire quoi? Non, je dis que, papa, dis-moi, tu voulais dire quoi? C'est moi parce que les filles disent qu'on table derrière. Non, je vais pas venir, non? Parce que Wanda, souvent, sur nos projets, là, non, aussi. Et Wanda, souvent. Bon, passons, tu veux développer. Comme tu as dit, là, si tu veux développer, ça va, Hambon. Bon, on passe sur ça. Comme tu as dit que, voilà. Ça va, toi, Hambon. Bon, chacun ses fantasmes. Si une fille dit qu'elle aime ça, c'est parce qu'elle aime ça. C'est un peu comme que il y a des gens qui aiment ramper. Il y a des gens qui aiment ramper par terre, qui aiment quand on les. Mais à genoux d'abord, il y a les hommes qui rampent ici en Europe. Tu as tes frères camerounais qui rampent chez les femmes. Hein? On les appelle les rampotologues. Ah. Ils jouent au rentemplant. Hein? Mm. En tout cas, tes frères rampent, oui, chacun dans son couloir. Tes frères rampent ici. Je voulais vraiment poser une question. Je voulais demander un truc pour les camerounais. Bon appétit, ma quand tu as une RC, elle est là avec toi. Pour donner un mouna. Après peut-être 10 ans, t'es pote à la porte, je suis le Mali, elle met à la maison. Mais le but de ça, c'est quoi? C'est pour faire encore comment? Mais parce qu'elle aime les Maliens. Elle aime les Maliens, hein? Oui. Parce qu'il paye cash, c'est ça? Parce qu'il paye cash. Oui, parce qu'il donne tout ce qu'elle veut, oui. Oui, peut-être que ça, oui. Et après maintenant, quand la vie, parce que le Malien, quand il donne ça, parce qu'il n'a pas les kaolo, dès qu'il a ses kaolo, il s'en va au Mali chercher sa femme. Elle oui, mais qui a misé a perdu. Est-ce qu'elle a perdu? Dans la vie, c'est un risque. Est-ce qu'elle a perdu? Elle a perdu, hein? C'est ce que tu veux qu'elle fasse. En tout cas, elle veut revenir vers ses frères Kamé. C'est ça. En tout cas, tu veux pas t'attacher, tu fuis, tu laisses. Et ça fait quoi si elle revient? C'est pas ses frères. En tout cas. Et ça fait quoi si elle revient? Elle revient, où est le problème? Attends, elle revient trouver qui c'est? Mais, c'est qui prend les balles perdues là, mais. Oui, les restes là, il y a tous les preneurs de balles perdues, mon frère. Oui, non, oui. Non, même là, c'est le chemin, la reste, je te jure, personne ne peut plus considérer. Quand tu go derrière, tu doules les mouns avec les Malika, tout ça, tu reviens là, mais mon frère. Le camel, je ne pense pas qu'il y ait un camel qui va accepter. D'ailleurs, mais moi déjà, c'est mort. Il préfère prendre une gars qui a trois mouns avec un autre Joe camel qu'une gars qui a un moun avec. Oui, tes frères ont déjà compris que tu as dit ça, oui. Ils ont compris l'autre là. Ils ont dit que c'est ta concession des choses, il y a des gens qui prennent. Toi, c'est toi, les autres, c'est les autres. Il y a les autres qui prennent, même si ça veut le chinois, ils prennent. Vous avez te laisser, ok, j'ai compris. Oui, on aime ça, mon frère, on aime ça. On aime les traumatiseurs, le planteur. Ouais, le planteur, c'est. Oui, plante que quoi, oh? Il plante quoi? Il a le. Donc, hein, c'est sûr qu'une fille Kamel. Non, je connais son histoire. Une fille Kamel a fait ça, hein. Maman. Maman, une fille quand même, elle a fait le choc. Bon appétit. Appelle-moi après ton direct. Après le direct, j'appelle mon gars. Il faut que j'appelle quelqu'un. Quelqu'un à vidéo, maman. Vous avez le cœur, hein. Maman, tu te caches. Pourquoi tu appelles en vidéo, tu te caches. Enlève ton truc. C'est je suis la seule qui te voit. Hein. C'est Guy et Ma, ouloulouloulou. Enlève, je te vois. Personne ne te voit. Enlève le drap sur la tête. On n'appelle pas la reine, mais sur WhatsApp en vidéo, on se cache. Puisqu'il n'y a que moi qui te vois. Tu veux qu'elle fasse quoi de ton nom? Ma Foflo, je vais te voir. De plaisir. Allô, la reine. Oui, bébé. Je l'aime beaucoup, la reine. Enlève ton truc, je vais te voir. Je suis fanatique, la reine. Tu es fanatique, mais enlève, il n'y a que moi qui te vois. Hein. C'est toi, ma Foflo, non? Oui, la reine. Bon, c'est toi qui as dit depuis Foflo. Que tu t'en vas dormir que je coupe, c'est ça, hein? Qui? La reine, le faux copine, moi, quand ça va, tu te coupes, je l'ai vendu, la reine. Enlève tes trucs, je veux te voir. C'est Guillaume, ça. Voilà ton ami. La reine, tu m'as vu au mal, la reine. La reine, tu m'as vu quand j'étais au double clip, la reine. Ah, je t'ai vu au mal. Oui, on t'a même filmé, la reine.
Maman, je dis que je t'ai vu, tu étais calme. C'est toi qui as la bouche derrière les faux profils comme ça, mamie. Yé, yeah, mané. La reine-mère. Comportement de mouton, réaction de merveilleux, la reine-mère. Maman. Je t'aime beaucoup, la reine-mère. La reine-mère, je meurs derrière toi, la reine-mère. Merci, ma puce. Merci. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites. Merci pour le comment. Maman, t'es belle, la femme, si je te jure. Maman, ton diant est en train de chou, hein. Continue à frotter, maman. Le secret de Radia Mélanie, c'est de mettre, maman, matin et soir. Maman, Mapo, Radia Mélanie, c'est la magie. C'est la c'est la pâte. C'est la patate. Ce ne sont pas les lobes. C'est la patate. Donc, qu'est-ce que nous avons encore acheté là? Courrez seulement. Ah oui. Vraiment. En tout cas, maman, enlève ton drap, je te vois. J'ai mon ami, bon la reine-mère. Il a fui le mariage, je ne sais pas le pourquoi. Il faut parler à des soeurs camerounaises de la reine-mère. Elles sont promettantes de la reine-mère. Qui parle l'histoire, dis ce que tu as envie de dire, on t'écoute. La reine-mère, il y a mon frère. Il a devenu sa femme en France, la reine-mère. Non, enlève ça, tu parles normalement quand tu écoutes, s'il te plaît. Sa femme avait le master au Cameroun. Il a fait venir ici, inscrit la femme à l'école d'ingénieur, la reine-mère. Quand la femme a mis ici, elle a commencé à s'inscrire dans les langages du 17e. Mon frère dit que je n'aime pas quand tu prennes la femme, je parle pour toi la femme. Non, on n'entend pas bien, là ça fait mal aux oreilles. Là, je te coupe, hein, parce que là, c'est, je suis désolée. C'est parce que ce papier a lu que tu as mis dans la bouche, mais franchement, à cette allure-là, moi, je vais me fatiguer avant. Hein. Ok. Enlève ce que tu as mis dans la bouche là, c'est trop d'écho là, c'est, ça fait mal aux oreilles. Non, je l'ai dit. Attends. Allô, c'est bon maintenant? Oui, c'est bon, je t'écoute, c'est bon là, merci. Non, c'est parce que j'avais mis sur le bouffeur en fait. Donc du coup, je t'ai dit, il a mon frère, il a fait venir sa femme en Europe et tout. C'est bon, la femme avait le master 1, mon frère il est docteur quoi. La femme arrive en Europe, ils étaient là-bas à Paris. Mon frère, vu que la go est très déjà trop dans les Nganda et tout, il est quitté de Paris avec elle, il est parti rester à Lyon, la reine-mère. Mm-hmm. La reine-mère. Oui, maman. La femme ne faisait plus partie à Paris. Quand maintenant la femme est tombée enceinte, on ne savait pas. Le mari d'abord, il savait que j'ai pas vu le pain. Comme ils ont fait comment? Je n'ai pas vu le pain. La reine, mais l'enfant est sorti métisse. Ouais, à Zamboa. L'enfant est sorti métisse, la reine, mais tu vois le cœur. Est-ce que tu vois le cœur des Camerounais? Une femme qui ne souffrait de rien, elle donnait tout. Même le plantain, il donnait la reine, mais je ne sais pas pourquoi les Camerounais sont comme ça. Elle a coupé sans préso. J'ai dit qu'elle écoute les directives. Toi là, petite sorcière, quand tu commences ça, hein? Je vais traiter ton faux comme sur Facebook. Donc si tu dis ça, tu fais de combien? Rentre au Cameroun. 110 E. Maman, tu as les gros nibards, hein. Maman, tu as des gros seins. Que... Tu trouves même ton soutien au marché, mamie? Difficile. Non, 100% naturel, non. Maman, tu as des gros seins. Eh bien, la reine, mais je parle avec toi, je parle en avec les gens. Je suis avec ma copine. Tu as de ces gros seins, ma copine. Hein? Tu as de ces gros seins. Ouais. Tu sais, on t'a dit que pourquoi tes seins sont gros comme ça. Il faut sensibiliser les filles du Capitaine là. Quand les hommes lèvent les femmes bénies ici en France, c'est pas pour que. C'est quelle histoire ça? J'ai dit, elle est partie pour l'enfant est métisse. Donc, apparemment, elle a même fait l'enfant avec l'arabe, la reine mère. Ouais, pitiation au. Je t'ai dit que. Aïe, non, une fille bafan. Les filles bafan, hein. Pardon, je vous déconseille ça, la reine, mais c'était pour moi. Bonne soirée. Merci beaucoup. Non, c'est pas un gros bafan.
Maman, desserre, enlève ta ceinture, tu baisses le pantalon, non, maman. Si ton ventre te serre, maman, ne force pas. Vous, les femmes des blancs, là, vous êtes comme ça. Même quand vous souffrez, vous ouvrez ta ventre. Je ne sais même pas. Oui. Je suis constipée. Tu es constipée, tu as pas depuis 3 jours. Maman, bois le Dulcolax, non. C'est ça qui nous aide. Dulcolax, tu bois le Dulcolax, tu as bien chié. Bois le Dulcolax maintenant le matin, tu as ça. Il y a un Contalas qui est bien, tu bois deux. Ce qui va aller dormir, partez dormir, hein. Moi, je suis là. Tu ne bois pas, il faut boire. Maman, quand tu bois ça comme ça le matin, tu te vides bien le ventre. Allô? Allô, maman, fort d'amour. Oui. Ça fait des heures que j'essaie de t'appeler. Ah bon? Oui, mais ça, c'est bon maintenant, je t'ai eu. Oui. En fait, je voulais te dire tout juste que... Je crois que c'est la deuxième fois que je t'appelle. Et juste pour te dire que je t'aime beaucoup. Merci. Et je voulais aussi faire un petit témoignage. Oui. Pour te dire que je crois que j'ai commencé à te suivre un peu avant que je recommence avec à l'université en tout cas. Et ça va faire peut-être, je ne sais pas, ça va faire... Pas 4 du collapse, 2 du collapse. Écoute-moi d'abord, je fais mon témoignage. Mm-hmm. Je dis que ça va faire 7 ans que je me suis, ma faute, quand j'ai recommencé à l'université. Aujourd'hui, je suis presque en fin de mon doctorat et je continue à te suivre. Je suis tellement accro que des fois, c'est même des examens, je pouvais te suivre. Maman. Ça, c'est pour te dire combien je t'aime. Et je sais que tu n'as pas idée. Tout le monde te dit ça, mais ça te fait rigoler. Je sais que c'est parce que tu es tellement naturel. Mais tu n'as pas idée de comment les gens t'aiment. En fait, parce que c'est tellement naturel et que toi, tu n'as même pas le contrôle dessus. C'est comme ça que tu es. Dieu t'a créé comme ça. Tu captives les gens. Les gens t'aiment pour rien. Et je voulais encore te dire ce soir que les gens qui croient que certains te suivent parce qu'ils n'ont rien à faire, ou parce qu'ils ne sont personne, ou parce qu'ils n'ont pas d'art, ou je ne sais même pas trop. Les gens qui classent des catégories, des gens qui te suivent, ça ne veut rien dire. Les gens qui te suivent viennent de tout bord. C'est des gens pauvres, c'est des gens riches, c'est des gens intellectuels, c'est des gens pas intellectuels. C'est juste des gens qui t'aiment. Et on t'aime comme ça pour rien. Parce que tu es ce que tu es. Tu es ma foi. Merci. Et je t'adore des 6 continents. Encore une fois de plus. Des 6 continents, maman. On a ajouté ce soir 6 continents sur ça. Hey, oui. Oui. Et ça, le goût de chat. On va tout ajouter. Tu ne peux même pas imaginer ce que tu es, ma foi. Tu ne peux même pas imaginer. Et ça, c'est pour rien. Les gens vont vouloir se poser des questions parce qu'ils veulent, ils rêvent d'être comme toi. Ils veulent imiter, mais personne ne peut imiter. On n'en veut pas ce genre de personne. Voilà. C'est comme ça qu'elle est. Ça ne sert à rien. Parce que tout, comme on dit souvent, ma faute, tous les gens qui te connaissent là, c'est ouais, énorme. Mes copines font... J'ai dit que mes copines parlent alors que je suis en direct. Est-ce que ça vous empêche d'écouter ce qu'on dit là? Ouais. Tu le comprends pas, ma maman. Maman, la team est jaloux jusqu'à... Pourquoi vous êtes jaloux comme ça et... On est trop protecteurs, c'est qu'on t'aime trop. Pourquoi vous êtes... Vous êtes et tout le monde veut donner les leçons. Ma faute, ça fait trop long. Ma faute, tu parles avec les gens. Tout le monde donc les gens vont arriver chez toi. Elles vont même dormir là. C'est ça que vous ignorez. Ce qu'elles vont dans le pire, c'est qu'elles, ma faute. Les gens se passent comme ça, ils parlent, mais ils veulent toujours te suivre. ça ne change personne. Ils ne dorment pas, ils sont 600, ils ne dorment pas. Depuis là, ils sont 600. C'est les 6 continents et pendant que d'autres dorment comme ça, d'autres se réveillent. C'est ça. Le goût de chat. Les autres se réveillent. Le goût de chat. Aujourd'hui, j'ai décidé sur le direct. Les dimanches, je m'assois et ne me lève plus. Un autre dernier témoignage, ma faute. Oui. Au début, quand je te suivais, ça énervait tellement mon mari. Aujourd'hui, c'est lui qui dit que ah, si tu veux, si tu suis ma faute, je m'en vais me coucher un peu dans la chambre des enfants, je ne veux pas de bruit. Mm-hmm. T'as vu. Donc, pour te dire comment aujourd'hui il a intégré ça, avant je discutais tellement avec lui. Il disait, oh, comment tu peux suivre des gens comme ça et tout. Je dis, comment ça des gens comme ça? Tu ne la connais pas, on ne la connaît pas. C'est sa vie, ce que les gens racontent, c'est leur problème. Ce n'est pas pour sa vie privée qu'on la suit. On l'aime juste comme ça, on s'en fout. C'est ça. Et à la fin, il a dit que ah, c'est vrai, c'est quand même votre choix et tout. Maintenant, il te respecte tellement, on dirait que tu es ma mère ou ma tante. Si tu avais ma faute, je peux aller dormir. Que tu peux aller rester à côté.
que j'ai. Que... Il ne te dit pas, mais écoutez ta tante, ma faute. Ma faute, tu n'as pas idée, mais vraiment, hein, ouais. les gens. Il y avait un jour, j'étais en Suisse. Je rentrais. Je vois un blanc qui ne fait que dire que Flo de Lille, maman. Les gens m'appelaient, je me touche, je vois que c'est un blanc. Je pensais que, tu sais, le genre, tu crois que tu es dans un autre monde. Il vient vers moi, il dit que ma femme vous suit, elle n'est pas camerounaise ou bien elle était de quel pays là-haut. Maman, le type m'a fait voyager en première. Il s'occupait bien de moi. Il disait à tous ses collègues que lui, c'est une star de ma femme, c'est une très grande blogueuse. Maman, je dis que maman, le goût de chat. Ouais. Si je n'avais même pas payé mon ticket, il me faisait voyager gratuit. Il m'a dit que. Et ça, c'est encore rien. Il m'a dit que tu vis dans notre maison. Il dit que tu vis dans notre famille. Donc, voilà. Les gens demandent même de tes nouvelles sans te connaître. Est-ce qu'elle va bien, votre soeur? Votre soeur, là. La soeur de ta femme va bien. Donc. Tu as vu? Mais il paraît qu'au début, lui aussi, dit oui, ça causait trop de problèmes. Sérieux, hein? Ça allait causer les problèmes dans le couple et tout. Ouais, tu n'es que tout le temps sur cette fille, tu ne la connais même pas. La fille dit que oui, c'est pas grave, tout ça. Tu vois un peu. Ils ont dit qu'ils ont eu les sérieux problèmes. Après, le monsieur, maintenant, il a commencé à suivre sa femme. Ok, il va aussi quand même écouter. Après, il a commencé à rigoler tout seul. Tu lui dis, mais elle est quand même marrante. Hein. Tu vois un peu. Elle dit quand même des choses vraies. Non, tu as entendu ce qu'elle dit, chérie? Chérie, tu écoutes ce qu'elle dit là? Donc, il était tombé sur l'émission. C'est une certaine émission Binda comme ça. Conseil Binda, tout ça. Comme je parlais de ça, il disait à sa femme, tu écoutes ce qu'elle dit là? Il rigolait. Après, hein, il a commencé à écouter. C'est lui-même qui demande souvent des nouvelles, qu'elle va bien et tout. Bref, il y a beaucoup de gens comme ça. C'est vrai. C'est pas que moi. C'est plein de gens comme ça, comme tu dis là. C'est plein de gens. Non, ma faute, vraiment... Merci. Tu es trop pour les Camerounais, c'est ça qui les dérange. C'est ça qui les dérange. Et ils luttent contre le vent. Et contre le vent. Ils luttent contre le vent. Ils vont se faire. Tu as vu, je me casse encore. Est-ce que je me casse? Je ne me casse pas. Et comme je dis toujours, ma foi en commentaire, je dis toujours, je les remercie beaucoup de t'insulter. Parce que s'ils ne t'insultaient pas, tu n'aurais pas été... Non, mais ce sont eux qui font ma popularité, non, maman? Est-ce que je vais arrêter? Je te suis depuis quand tu n'avais même pas 300, 200 vues. Ouais. Quand le direct, c'est moi qui ai ramené le direct dans le milieu camerounais, non? C'est moi, celle qui a commencé à faire ça. Quand j'ai découvert qu'on pouvait positionner, les gens disaient qu'elle fait quoi comme ça? Ça énervait même beaucoup. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Je reste la Numba Uno, des Uno. Oui. C'est tellement visible. Barracuda. Tout ce que les gens racontaient, c'est pas en vie. C'est pas maman, j'ai tout porté les lunettes depuis chez le Waman. J'ai tout mis mes lunettes. Tout le monde porte maintenant. Tout le monde porte les lunettes. Je prépare, j'ai commencé à préparer en direct. Tout le monde prépare. Je mets le rouge à tout. Ils peuvent parler de quoi? Les sales choses de Facebook. Les aigris. Je suis et je reste et je n'ai peur de personne. Ils ont dit qu'elle vivait à Lille. Maintenant, je vis. Elle vit qu'à Lille. Je vis à Paris. Et encore, je vis que les week-ends. Et je ne vis pas dans le trou à rat. Et à Lille non plus. Et pour entrer chez moi, c'est select. Ma maison n'est pas la cour du roi Péto. C'est pas la cour du roi Péto. Ils vont beau chercher. Les codes que vous voulez voir, maman. On se suit, le chef de la chefferie. Les gens se suivent pour monter sur... Papillon a dit que quand on se suit pour monter sur ses chaises. On me suit les pieds pour monter sur mon canapé. C'est ça. J'aime tes lunettes. Merci, c'est Blue Lopez qui m'a offert. Les Sunny Sisters. Elle m'a offert 3 paires de lunettes. Merci beaucoup. Maman, et mes sabots, Maman, YouTube m'a envoyé un chèque de 2471 euros. Amen. Ce n'est que le début. Ouais. Maman, ça va toujours monter. Aujourd'hui même, j'ai perdu. Ah, désormais, mais dirais, je fais que sur YouTube même. Je n'ai plus le temps à perdre sur Facebook. Non, je préfère vous dire. YouTube m'a envoyé le code, un chèque. Alors, c'est mon communicateur qui gère. Il est très honnête. Ma faute. Non, parce qu'il y a des gens qui vont aussi pour aller mettre. Si quelqu'un met avant moi, je perds. Oui. Voilà. Oui. C'est que je ne sais pas comment faire pour que les gens ne mettent plus. Parce que eux, tu sais tout ça, le clash que les gens créent là, non? Il y a certains qui sont détenteurs des pages sur YouTube là, que
Eux, ils font comme ça, tu cries, ils profitent de ça, maman. J'ai regretté. J'ai découvert il n'y a pas longtemps, maman, mon communicateur qui a découvert que les vidéos pour mettre sur YouTube. Il a mis, YouTube m'a demandé un virement sur mon compte bancaire. Ils m'ont demandé mon compte. Que vous êtes à 2000. Voici ça. C'est parce que tu t'en fous, en fait. Voici ça, maman, ça me paye mes deux mois de loyer en retard. Parce que j'ai un retard. Donc, ça me paye mes deux mois de loyer. 2400 euros, ça me fait mes deux mois de loyer. Voici ça. Comme mon communicateur, voici ça. Ma foi, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui laissent des boulots de médecin, des boulots de financier pour être YouTuber à temps plein? Maman, je te jure, voici ça. Tu sais ça, ma foi. Il m'a dit, YouTube a d'abord testé sur mon compte un montant minime pour voir si c'était vraiment mon compte bancaire. Après, on m'a envoyé un message en disant, quel est le dernier montant qui est entré exactement sur votre compte bancaire? Tu comprends, hein? Oui, pour vérifier. Pour vérifier, j'ai donné le montant et ça, c'était 51 centimes. Voilà. Voici ça, Jean Cancan m'a envoyé. Voici ça, je ne peux même pas monter parce que c'est quand même il y a mon numéro de compte. Tu n'as rien à prouver, ma foi. Les gens qui te connaissent. Donc, maman. On connaît ton honnêteté. Les gens qui parlent au vrac-vrac, la maman, ça me fait mes deux mois de loyer. Qu'ils continuent à parler, ma foi. Qu'ils continuent bien même. Qu'ils insultent. Qu'ils fassent leur plan à deux balles. Rien ne va t'arriver. Mafo, je vais quitter, je vais laisser la ligne en te disant une fois de plus que tu es notre Mafo national. Je suis en émission. Direct depuis là, non? Tu ne sais pas, oui. Tu n'as pas vu. Ne me dis pas, maman est rentrée. Tu as fait quoi? Ah, tout le monde a cotisé. Mais tu ne m'as même pas appelé. La fatigue, je te jure. Hey, maman. Oui, d'accord, ma puce. Je suis en direct là. Excuse-moi que tu appelles quand ça finit. Donc, connecte-toi, d'accord? Merci. Ouais, maman, excuse-moi. C'est que c'est une. Non, non. Maman, je ne t'excuse pas. Tu fais comme tu veux. On est là. Tu fais comme tu veux. Je te dis encore une fois de plus que tu es notre Mafo national. On t'aime comme tu es. Tout ce que tout le monde fait là, c'est du vent. Ah, c'est ça. C'est juste pour participer à ton 2000. Voici ça le montant. 2471,42 €. Maman. Voilà. Ouais. Ça, c'est rien, ma foi. Ça, c'est ouais, rien. Maman, je suis contente parce que depuis des années, perdais mon temps. Je parlais comme ça. Je devais parler un jour depuis. Je parlais un jour tu depuis. Tu n'as pas parlé un jour. Tu n'as pas parlé un jour. Tu n'as pas parlé un jour. Tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Tu as vu qui passait une journée sur le net. Maman, pardon, mes fans sont là. Hein. Ne commencez pas à me dire que vous ne voulez pas profiter de moi. Tu vas profiter de moi. Mes fans vont beaucoup vous détester, hein. Laissez mes femmes profiter. Pardon, je vais m'occuper de mes amis, hein, s'il vous plaît. Ok. Merci. Okay. Bon, merci bisous beaucoup. Bye. Bisous. Merci, docteur. Thank you so much. Bye. Thank you, baby. Elle reste avec moi 10 minutes. Maman, j'étais occupée. Il est 22h, c'est ça, 23h. Hé, hey, maman, j'ai fait combien d'heures de direct? 18h, 6h. Maman, maintenant, elle va faire 8h de direct. Notre fille. Maman, je vais dormir. Tous les dimanches, je commence à 17h30 et finis à 1h du matin. Maman, donc, vous me voyez souvent, non? C'est quoi avec vous? Non. Mes fans, on est ensemble. Il n'y aura plus l'espace pour personne. Allô? Ouais, le barat de ça. Barat de ça. Vous aurez les 20 vues. 20 vues. Maman, pardon, mais je ne vais pas avoir les maux de tête. Je suis en fin de journée. Quand ce qu'on devient nerveuse, enlève ton direct que tu es en train de regarder en m'appelant là. Je ne vais pas avoir les maux de tête, s'il te plaît. Mon gars m'attend. On est ensemble. Il n'y aura plus l'espace pour personne. Quelqu'un appelle. Elle appelle, elle écoute encore. Maman, pardon, en fin de journée, comme si je suis très excitée. Hein. Donc, je ne vais pas les problèmes. En fin de soirée, je suis très excitée. Il n'y aura plus d'espace. Vous faites les directs, vos émissions le samedi. Je fais le samedi. Maman, c'est forcément vos programmes que vous allez faire les directs le samedi. Le jour là, je fais aussi. Les faits maintenant, les mêmes jours que vous. Vous verrez qui a le pouvoir sur la toile. Lancez les directs au même moment que moi.
Nalmi, chèvre la chefferie. Nalmi. Oui. Allô? C'est pas bon. Flo. Je te souhaite bonne fête de maman. Matati Mao. Bonne fête de maman. C'était juste pour te souhaiter bonne fête de maman. Mais chère tes amas. Depuis le Canada. Bonne fête à toi aussi, ma soeur chérie. Ma poussière ou tes ânes, non? Comment dis-tu ça? Dieu te protège, ma soeur. Un grand homme, cabé photo. Tape-toi où? Comment tu bouges de l'olé là comme ça? Mais chère tes amas. On va clôturer le direct. Vraiment. Ouais, les filles aussi. Vous dites que j'arrête, mais vous ne laissez pas. Vous ne laissez pas, hein. Allô? Allô? Allô, ma PDG? Oui, mon bébé. Ça va? Oui, les stoplets, les stoglets. Ma PDG, je t'adore. T'es trop. Oui, les abeilles. Trop belle. En fait, j'avais une petite proposition à te faire. Oui. À te dire, en fait. Si tu pourrais faire une émission genre pour une rencontre quoi. Les gens les appellent. Ok, je ferai ça. Célibataire. Oh, oui. Voilà. Très bonne idée à noter. Avec les autres. Oui, très bonne idée. On fera ça. Direct de rencontre sérieuse. On veut pas les gars qui viennent bida pour fuir là. Merci beaucoup ma PDG. Je te laisse. Bonne nuit. Bonne nuit, merci. Maman, la reine met maintenant. L'heure des émissions des détracteurs sera mon heure. Sera mon heure. Allô? 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 Good evening. Good evening. Allô? Yes, Adi, how are you? Good evening. Good evening, sister. Ma faute. Yes. Est-ce que je suis en direct? Non, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute qui répond là. Ma copine est là jalouse. Oui, c'est moi. Allô? Yes. Oui, ma faute. Tu dis quoi? Allô? Oui. Allô? Oui, allô, je t'écoute. Bonsoir. Maman, mettons un peu un truc. Je vais éteindre le téléphone là. Hein. On met maintenant. On va mettre. On met un peu le Congo ça. Hein? Attends, je vais mettre un gars qui est en train de dire à sa femme que chèvre la chefferie. Ok. Hé, hey, tu n'as pas écouté ça? Non. Maman, le goût de ça. Maman, j'ai ma fan privée qui est là. Tu as compris? N'appelle plus ma famille. On n'a pas de lien ensemble, comme tu as dit. N'appelle plus jamais ma famille. Tu appelles ta pour une question en QC. Ton problème dedans, c'est quoi? Même si je suis aux États-Unis, ton problème, c'est quoi? Toi et moi, c'est quoi? Plus jamais n'appelle plus ma famille. Tu as compris? Tu as compris, non? On va retrouver ta femme, Yolande. Malchance. On t'a envoyé derrière moi. Hein? Moi, un pingouin comme ça là. N'appelle plus ma famille. Hein? J'étais laissé dans une maison, sous un toit. Si ça ne t'arrange pas, tu me touches le camp. Ça ne te suffit pas? Malchance comme ça. On t'a envoyé derrière moi. Hein? Arrête d'appeler ma famille. N'importe quoi, gigolo bis. Bonjour à tous les collègues, à tous les musiciens. Je vous prends à témoin parce que vous avez vu l'artiste Papillon vient de vous franchir pour rien. Moi et lui, on n'a rien en commun, mais maintenant il vient de me franchir. Pas les autres. Et vous êtes témoin. Ça là, ça ne fait même pas quelque chose. Ouais. Ça ne fait même plus rire. On va chercher quoi de carotte. Quand tu mettais ton plantain dans mon... Mettons le plantain. J'arrive bébé.
C'est comme ça qu'on fait tout. Demain, on dit que je suis lesbienne. Parce que les femmes sont toujours... oui, elles me manquent. Quelqu'un est chez toi, elle dit, que tu la manques, non, machin. Continue à faire qu'on me traite de lesbienne. De lesguine. Non, c'est vous, non? Oui, mais il faut aussi que la voie. Maman, mais celui-là, tu me vois déjà, non? Oh, wonderful. Tu me vois déjà, oui, il faut que tu me voies, maman. Tu me vois passer. Maman, elle dit que non, hein. Elle ne me voit pas assez. Allô? Va voir ta copine, la milliardaire. Allô? Oui, bonjour, ma fille. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Ah, c'est super. Ben, j'appelle pour dire bonne fête de maman. C'est vrai qu'on t'inscrit depuis d'arrêter le direct comme ça. C'est quand même vrai que j'ai commencé à repasser mes avis marqué. Et j'ai fini. Et là, je vais me coucher, donc bonne fête de maman et bonne soirée à vous. Oui, merci beaucoup. Ouais, bye. Merci beaucoup. Mais vous êtes terrible, hein. Et femme là, hein. Buvez, vous avez bu hier, vous avez beaucoup bu hier. À cause de toi, non. Maman, la dernière fois tu partais acheter, ou c'est 5 runas. Maman, l'argent là, il faut me donner ça. Tu vas acheter 5 runas, tu dis que viens boire le runas. Maman, je suis née pour boire l'alcool. Hein? Carrément, 5 runas, elle est restée là-bas à dépenser, dépenser. Vraiment. Allô? Partez dormir, hein. Il va arrêter de parler avec toi, ouais. Ah oui, c'est ma star. Mani. Marie, lui, regarde-moi cette... Guigui. Mani, mais là, ne dors pas, maman. Allô? Oui, garçon des blancs, là. Allô? Oui. Bonsoir, la marfo. Bonsoir, ma grande. Allô? Bonsoir, je t'appelle depuis Dubaï, hein? Merci. Je suis une très grande fan de toi. Juste pour te dire que je t'aime tellement. Merci beaucoup. Et prends soin de toi. Bonne fête de mai. Merci beaucoup, ma grande. Merci. Bonne fête de mère aussi à toi. Ouais, maman parle aussi. Pardon, allô. Allô, bonsoir, ma fille. Allô. Oui, allô. Allô, ma star. Attends. Oui, ma star, bonsoir. Aïe, aïe, aïe. Oui, ma star, bonsoir. Tu ne dors pas? Bah, écoute, c'est tout simplement de la pure et simple jalousie. Ouh. Oui, appelez. Prospendolo, mais coupe, tu vas faire tes choses. Quand je suis venue m'asseoir, c'est toi qui m'a dit de prendre, partez dormir. Quand vous serez trois, je vais partir dormir. Tant que vous êtes là, le nombre là ne chute pas, je ne pars pas.
à notre ego. Vous-même, quittez aussi, allez dormir, partez. Vous avez compris, non? Je vous chasse, allez vous occuper de vos hommes. Oui, ma star, franchement, les Camerounais, c'est des jaloux. Ouf, un truc de ouf, quoi. Franchement, pitiation pour le Cameroun, hein. Une telle méchanceté, une telle haine, franchement, rien à cirer, quoi. Parce que, franchement, qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore dit? J'en ai rien à foutre. Parce que c'est que ce sont des personnes qui m'envient. Et c'est comme ça et pas autrement, tu vois. Bon, en tout cas, je t'embrasse très fort. Et demain, j'ai trop bu là ce soir. Partez dormir. J'ai pas le makata. Ouh, maman, un beau garçon. L'écurie des beaux garçons appelle. Mais toi, tu appelles, tu ne parles pas. C'est comment, non? C'est qui? Allô? Allô? Oui? C'est la femme dans le marché. Pas, je ne sais pas si ça. Oui? Oui, en fait, je voulais te souhaiter bonne fête des mères. Déjà. Oui? Oui, vous cherchez quoi? Allô? 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 Oui, ah oui, allô? Oui, ma fausse, je voulais te souhaiter bonne fête des mères. Ok. Ne donne pas mon adresse. C'est les filles. Allô, ma fausse. Oui, mon cœur. Oui, je voulais te souhaiter bonne fête des mères. Merci beaucoup, mon bébé. Voilà, et bonne nuit aussi. Merci, chérie. Je t'embrasse. Bye. Bye. Ouais, bisous, bye. Ne donne pas mon adresse parce que je ne veux pas que les Africains, là, après, ça parle. Il faut faire le hitch. Je vais couper, vous allez faire le hitch. Pas question de prendre quelqu'un que vous connaissez pour qu'il vienne ici, là. Tu comprends ce que je vais dire? Vous faites le hitch pour partir, c'est mieux. Pas question d'avoir quelqu'un. Si c'était encore quelqu'un que, voilà, machin, oui, mais pas les histoires que les gens viennent bouger. Parce que c'est toujours les Camerounais, non? Exactement. Elle n'est pas mauvaise, mais j'ai... Non, c'est tous les filles. Non, j'ai pas confiance, pardon. C'est parce qu'on se connaît que vous êtes là, après. Tu vois, mais les filles, ça en convient. Tu ne sais pas, quand elle va un peu se gâter avec toi, elle va aller digiter. Après, tu peux sortir que je ne sors pas. Elle ne saura pas que c'est chez qui tu es parti. Là encore, ça se comprend. Tu comprends ce que je veux dire, non? Si elle connaît, qu'elle connaît pas, je m'en fous. Non, tu peux toujours sortir, tu vois, mais tu peux toujours donner. Tu as dit qu'on partait à l'ambassade, maintenant tu dis que tu... À l'ambassade, maman, j'aime pas l'argent. Tu es en train de parler ton direct. Je coupe le direct tout de suite. Ah, bientôt il est dormi, même aujourd'hui. Non, attendez, coupons pas à l'ambassade. Maman, j'ai pas envie de sortir. Voyage demain matin, hein. J'ai mon train tôt. Je voyage le matin. À quelle heure? Très tôt, je vais regarder le train, je n'ai pas encore pris le ticket. 6h. Pas 6h, mais 10h. Bah, tu as le temps. Après, je ne viens pas tous les jours, moi, à Paris. On va à l'ambassade. Ah non, à l'ambassade. Si on va à l'ambassade, prends ma voiture. C'est mieux, c'est ça qu'elle dit que. Tu vois, non. Tu l'appelles. On va à l'ambassade. Je prends ma voiture, mais il n'est pas là, il n'est que 23h, on attend un peu. Oui. Je prends ma voiture, on part, alors je m'apprête. On est en voiture, on la retrouve où? C'est simple. C'est une personne que tu devais pas. Oui, quand tu vas. Non, je coupe. Attends, je coupe le direct. Bisous et bonne nuit à vous. Hein. Bye bye.